appassionati di vino, specialmente di buona tavola. Siamo in Francia e stanotte sono stato ospite di Francisco, che è di origine argentina, anzi è argentino ma con dei nonni italiani. E la cosa più importante da sapere è che Francisco è un agronomo che lavora sui vigneti francesi, quindi è stato così gentile da spiegarci qualche cosa riguardo i vini francesi. Guardando la cartina dei vini francesi in diverse regioni, mi ha spiegato che molto spesso le zone del vino e i vigneti seguono i corsi dei fiumi. Direttamente qualcosa dalla voce di Francisco in francese, poi faremo una sintesi. Voilà la région de production. La plus grande en termes de surface, c'est le Languedoc-Roussillon. Ici, c'est la plus grande concentration d'hectares de vin. C'est plutôt du vin rouge et un peu du rosé et un peu du blanc, mais principalement du vin rouge. Ça se ressemble plus à les vins espagnols. Après, nous, ici, on est dans la Provence. C'est la terre du rosé. Il faut savoir qu'en France, on boit principalement du rouge, mais en deuxième place, il y a le rosé. On suit plus que le vin blanc. C'est à peu près 30% de la consommation, c'est en vin rosé en France. Après, proche d'ici, il y a la vallée du Rhône. Le Rhône, c'est un fiume. Et là, en Avignon, il y a le Mont Ventoux, qui est très réputé pour les cyclistes comme toi. Il y a le côté du Mont Ventoux est implanté de vignes, où un des dénominations plus réputées, c'est le Châteauneuf-du-Pape. C'est le Châteauneuf-du-Pape parce que à Avignon il y a eu les papes et alors c'est le vin de les papes. C'est ça. Après, le Bordelais, évidemment, c'est très réputé. C'est plutôt du vin rouge. Et encore, c'est sur des plaines. Voilà. Après, à fur et à mesure, bon, la région la plus des vins rouges plus chers et plus réputés, c'est la Bourgogne. Il y a Beaune et Dijon, ici comme ville, mais ça vaut trop cher aussi. Mais quel est le prix moyen d'un bon Bourgogne? Un vin Bourgogne, Ah, aussi. on a aussi le minimum 20 euros, et de là, nous on a fait un tour de vélo entre Dijon et Beaune. Et les vins, ça commençait à partir des 20 euros, et après 60 euros, Jusqu'à? jusqu'à 100 euros, 120 euros à côté. Après, à fur et à mesure qu'on monte, on va trouver des vins, plutôt des vins blancs, plutôt dans la vallée de la Loire. La Loire, encore une fois, c'est un autre fiume. Et pourquoi est très important la rivière et le fiume Parce que ça, parce que pour le climat, pour le climat? Le climat, l'eau, elle garde, c'est une amorti, il garde la température, du coup il y a moins Des de gel, variabilités? de variabilité dans le climat. Et aussi par le sol, là où l'eau et les fiumes, là où elle a passé l'eau, beaucoup de fois les sols sont argilo-calcaires. Argilo-calcaires, c'est des sols profonds, pas très riches en matière organique, avec beaucoup de cailloux. Et c'est plus pour la vigne, ça. La Loire, voilà des vins blancs, très bons. Et le Champagne, qui c'est les terres les plus chères en France, et les terres agricoles plus chères en France, c'est en Champagne, parce que c'est super réglementé. Et je crois que c'est au plus de 1 million d'euros l'hectare pour acheter une terre, mais je ne suis pas sûr. Hein. Et Un hectare, 1 million d'euros pour produire en pour la chambre. Champagne, parce que si je veux acheter une hectare et planter une vigne et dire que ça s'appelle Champagne, je ne peux pas. C'est très réglementé. Et pour finir, il y a l'Alsace, où ici aussi il y a du vin blanc, mais c'est des vins très, très similaires au vin allemand. Ici on est à la frontière. Il y a la variété Riesling Oui. pour les vins blancs. Le Voilà. Riesling, c'est une véritable variété européenne parce qu'il est né en Italie, il est Oui, né in beaucoup de pays. voilà. Après, pour finir, jusque dans le cognac,
Et on produit beaucoup, beaucoup de... Bon, tu connais, tu es connu. Cognac Et la production, c'est pas blanc, mais la variété, c'est uni blanc, qui en italien, c'est un autre nom. Trebbiano, quindi. Le E Trebbiano allora est pour faire le cognac. per fare le cognac. Voilà. E expliquez-moi quelque chose du Beaujolais, parce que Oui. en Italie, le Beaujolais c'est aussi un nom qui c'est un synonyme ou pareil des les vins nouveaux. Oui, On l'appelle Vino Novello en Italie. parce que c'est ici dans le Beaujolais, c'est au nord de Lyon. C'est le premier vin de l'année qu'on boit, parce que ça se récolte en septembre selon la région. Là aussi, à cause du changement climatique, à chaque fois les récoltes sont de plus en plus précoces. En moyenne, c'était deux semaines plus tôt en moyenne depuis 20 ans. Et les Beaujolais, ça se récolte, ça se vinifie, et ça se boit déjà dans la même année. Et je crois que c'est le troisième jeudi d'octobre où il y a la fête du Beaujolais. Attention, ah non, novembre. Novembre. Ok. Mais par contre, c'était tellement. C'est une marque, le Beaujolais nouveau. Oui. Mais c'était tellement fait à l'arrache, tellement populaire que ça a favorisé le vin de mauvaise qualité. Et aujourd'hui, il est très mal réputé, le Beaujolais nouveau. Mais c'est la fête pour boire du mauvais vin et c'est bourrer la gueule. C'est bourrer la gueule et voilà. Mais le Beaujolais, il a pas beaucoup de prestige. In Italia, Vino Novello è devenu un entreprise commerciale Oui, parce c'est che exactement. dans beaucoup de régions d'Italie on le fait, mais il n'y a pas cette tradition. Italie, dans la région Puglia, il y a cette tradition pendant la festa dell'Umiero. La fête Lumière. du vin à Casarano, de mettre les céleri dans le vin, parce que peut-être que le vin c'est pas très bon, et alors le céleri va l'épurer. Mais il y a une autre tradition, on met les fenouilles, pas dans le vin, mais on mange les fenouilles. Et on boit le vin parce que le fenouil va détruire ton habilité Pour goûter le d'égoutter savon. le vin. Et alors, les vendeurs des mauvais vins donnent les fenouilles aux clients. Et alors, mettre ou associer les fenouilles avec le vin, c'est un piège. Et en italien, on dit infinocchiare. C'est pareil de faire un piège. Et une autre chose, en italien, on parle avec les réglementations de quel tonnage d'ouvrage on peut produire par chaque hectare. Oui. Et en France, ce n'est pas les tonnages. Qu'est-ce que c'est? C'est le volume, c'est les hectolitres. Et du coup, c'est une fois lu Combien de la raison. litres de vin tu peux Voilà. Et du coup, produire? pour un AOC, pour les vins rouges, ça va des 25 pour les plus restreints jusqu'à 45, 55 hectolitres à l'hectare. Oui. Jusqu'à 60, des fois, ça dépend des AOC. Selon chaque AOC qu'il Une produit, il met ses réglementation, des propres règles. règles diverses. Francisco, merci pour ce voyage entre les vents de la Oh yeah, you see.
playing side by stages, yet you know I did survive all of your lovely sieges, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol.